Salut la famille, salut vous tous. J'espère que vous allez bien. Si tu me connais pas ou si c'est la première fois que tu cliques là sur ma chaîne, sur cette vidéo, moi c'est De Fuga. Je te dis déjà, je suis une meuf archi cool. Donc abonne-toi, t'inquiète même pas, je prends grave soin de mes abonnés. Donc si tu veux rentrer dans la team, y a pas de souci. Et donc comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je reviens avec un haul. Les vêtements que j'ai reçus, en gros, j'ai déjà reçu des vêtements de cette marque là. Il y en a qui ont aimé et d'autres non. Il y en avait qui trouvaient que les vêtements faisaient un petit peu trop cheap et tout. Du coup ils m'ont recontacté, je sais pas si c'est parce qu'ils ont vu vos commentaires ou je sais pas. Ils m'ont recontacté. Ils ont dit eux là, on va leur prouver. Non, non. En fait, tiens, reprends des vêtements, on verra si c'est cheap. Ah, donc aujourd'hui je reviens pour faire un haul du coup de la même marque, Lovely Wool Sale. C'est ça qu'on appelle. Et bah du coup ils m'ont renvoyé des vêtements et je vais un peu vous remontrer. Je pense que c'est vraiment pour vous prouver peut-être que la marque c'est pas de l'AD. Donc bah on va commencer. Et aussi du coup j'ai fait deux hauls du coup dans ma chaîne. Et on m'a vraiment souvent dit, Magdala, on voit pas tes pieds dans, enfin mes jambes genre dans les hauls. Donc oui je sais, je fais de mon mieux. Donc peut-être que je vais aller au bout là-bas, mais j'ai l'impression qu'au bout je ressors plus noir. Vous me voyez pas? Bref, dans tous les cas, bref, commençons. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai reçu une série de 10 vêtements. J'ai pris un peu de tout et n'importe quoi, donc ce qui est bas, haut, robe. J'ai même voulu un petit peu sortir de mon confort. Enfin, j'ai essayé. Ouais, les robes et tout, genre moi, je suis pas trop robe, tu vois, mais t'as capté. Du coup, je vais essayer tout ça et j'espère que ça vous plaira. Voilà, et il y aura tout en barre d'infos. Il y aura tout en barre d'infos, il y aura les... Il y aura les liens de tous les vêtements que vous allez voir ici. Il y aura tout. Bref, allons-y. Donc du coup, le premier vêtement, c'est un haut. Je mettrai tout les photos. Enfin, je mettrai les photos qu'il y a sur le site et ce que je ressens en vrai. Donc, c'est un petit haut comme ça. Je trouve trop beau. Vraiment trop beau. Du coup, moi, j'ai pris tous les vêtements en taille M. Comme ça, vous saurez déjà. J'ai tout pris en taille M. S'il y a du L, je vous dis, parce que tout ce... moi, j'aime bien des fois être large, comme vous voyez, des gros trucs et tout. Du coup, je vous dirais... En tout cas, là, là pour l'instant, je sais que tous les vêtements, je les ai pris en M. Donc, voici le premier haut. Beaucoup, c'est archi mon style. Genre, c'est mon style de ouf. Il est bien épais. Enfin, il est bien... il me va bien, c'est bien croc top et tout. Si vous aimez pas, vous mentez. La vie, il est trop beau. Il est vraiment trop joli. Bah, du coup, c'est en M, comme j'ai dit, et il taille bien. Il est pas élastique, en fait. Genre, il est vraiment, tu vois, que soit la couleur, que ce soit... Et moi, les trucs qui filent comme ça, j'aime trop. J'aime vraiment trop. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, moi, j'aime beaucoup ce petit haut. Ensuite, là, je vois encore un truc effilé, je crois. Un truc vert. Et je ne me rappelle plus du tout de ce que j'ai pris. Hein. Donc là, c'est un... Bah, c'est un haut. C'est un haut à col, effilé encore. Et ouais, il descend devant comme ça. Bref, je vais l'essayer et... Et je suis choquée, genre je crois qu'ils ont vraiment voulu vous prouver que c'est vraiment pas de laver. Genre bon, avec le bas ça fait pas du tout. Genre la matière elle est bien fine et tout. Bon ça calculez pas, c'est pas votre problème. Bon, je sais pas avec quoi je vais le mettre en bas. Mais le jogging ça le fait vraiment pas. Enfin j'aime pas comment ça fait. Mais en tout cas Lovely Wool Sale, sale, j'aime vraiment beaucoup. Genre vraiment de ouf. Genre et là je suis en train de filmer, la vérité mes voisins qui me voient juste en bas. Genre j'aime very much. Woo! Donc ensuite là ce que je vois c'est un jogging je crois. Moi je sais pas, j'aime trop les joggings. Ouais donc c'est un jogging gris. Sauf que en bas c'est comme ça, tu vois. De toute façon je pourrais aller là-bas tu vois. Et ça je voyais grave ça sur Insta, genre grave sur Insta. Et là je vais voir si c'est de bonne qualité. Bon à première vue oui. C'est pas un jogging épais de ouf. Mais c'est un jogging quoi genre. Tu vois. Bref, allons-y. Alors là, j'aime trop. Vous voyez ou pas en bas comment ça fait? Genre, du coup, vu que je suis grande, il va vraiment jusqu'en bas déjà. Le détail froufrou, là, j'aime beaucoup, genre. Mais le détail froufrou, j'aime beaucoup. Là, je suis avec ta petite paire et tout. Bon, là, je suis pieds nus. C'est pas votre problème, ça. Bref, donc, du coup, là, je vois un truc noir. Je sais vraiment tout ce que j'ai commandé, hein, ça fait de ouf. C'est encore un truc avec des effilés, là, des trucs comme ça. Donc bah je vais laisser. Oh ce que je vois c'est un truc de gueudin. Genre il est trop beau. Il est vraiment trop beau. Tout ça je m'en rappelle par contre. Attendez l'étiquette. Effilé bien comme il faut. Il me va bien pour le coup. Mais il est pas élastique. Hein. Genre c'est vraiment épais. Je connais pas le terme. Je sais pas comment on dit. Mais il est bien. Ça, genre ça faut vraiment prendre ta taille. Il n'y a pas de web plus petit pour que ça te serre et tout.
faut prendre ta taille. Là même M, c'est vraiment ma taille. Si j'aurais pris L, ça aurait fait en mode, tu vois, ça aurait bien fait. Mais là, c'est vraiment, faut prendre ta taille. Oh, ils veulent vous prouver. Là, ils veulent vous prouver. Ils veulent pas jouer avec vous, hein, je vous mens pas. Donc, comme je vous ai dit, moi, j'aime trop les trucs effilés comme ça. Je sais pas. J'aime vraiment trop. Franchement, pas mal une petite balade comme ça. En plus, avec le temps qu'il fait en ce moment. Perfect. Ensuite, là, je vois un haut. Un haut blanc. Oh, il est épais. Oh mon dieu, la qualité. Oh, ils veulent vous prouver. Oh, la vérité, ils veulent vous prouver. Là, je vois un haut. Un haut normal, un basique blanc avec. Tu vois les trucs pour resserrer ici. Je vais l'essayer, je reviens tout de suite. Et ils veulent vous prouver les choses. Les S, c'est grave épais. C'est comme ce que je commande sur Pretty et tout. Bon, après, des fois, sur Pretty, ils ont des. Des fois, enfin, ils sont réputés pour avoir des bons articles. Mais des fois, leur qualité, elle est grave fine et tout. Mais ils ont une qualité S, c'est épais de malade. J'ai jamais été vraiment déçue, tu vois. S, c'est grave épais. C'est un vrai cinglé, frère. C'est un vrai cinglé. Bref, je reviens. You can see me. Bon, là, je sais pas si c'est transparent, mais le haut, j'aime trop. Genre, c'est un long croc top. Parce que du coup, on voit quand même mon nombril. Mais frère, mais. J'aime trop, j'aime vraiment trop. Il est basique, il est simple. Mais je crois là pour l'instant c'est mon pronostic préféré. Mais pour l'instant je ne suis archi pas déçue. Genre tu viens. Donc ensuite ce que je vois, ça je sais ce que c'est. À peu près le même bas mais en bleu, et quand je touche la qualité j'ai l'impression qu'il fait plus léger que lui, tu vois. Regardez en bas, c'est pareil et tout, mais voilà, il fait plus léger. Mais je vais quand même voir ce que ça rend et je reviens. Alors là, flop, c'est un flop de ouf. Il est trop petit, il est sauté, en plus il était fendu. Ouais, donc du coup il est trop léger, il est trop petit, il est trop petit aussi au niveau du bas. Je sais pas si vous allez voir, mais oh, il va là. Oh, c'est jusqu'en bas, en plus il est fendu. Genre là, je sais pas si vous allez voir, mais là c'est fendu. Du coup, rien à voir, là c'est un pyjama là. Merci pour le pyjama, mais genre en plus j'aurais trop aimé. Ça se voit, il aurait pu être beau. Si j'aurais pris en L du coup, parce que comme je vous ai dit tout en M, j'aurais pris en L, il serait grave bien passé. I'm sorry, mais non. Mais c'est vraiment dommage. Là, je vois un truc rose. Je me rappelle pas. C'est un ensemble rose. Mais comme ça, je m'en rappelle pas. Mais je l'essaye. Alors, je crois que c'était un pyjama. Là, j'ai trop peur qu'on voit à travers parce que. Attendez. Si on voit à travers, je vais cacher. Mais ouais, du coup, c'est un pyjama. Plutôt mignon. Ouais, plutôt mignon. Bon, il est assez léger, mais vu que c'est un pyjama, c'est bon, en vrai. Il me taille bien. Il a capuche aussi. Il a capuche. Franchement, ça va, pas mal. Genre, moi, j'ai rien à dire de spécial. C'est un pyjama, quoi. Donc, voilà, quoi. Là, il m'en reste 3. Enfin, plus celui-là. Ensuite. Archi long, voyez-moi mes jambes, elles sont longues. Je sais pas si vous allez voir. Interminable le bail, les graves amples. Moi je vous jure, c'est trop. Et je... Oh, attendez, je vous montre. Il est géant. Bonjour, là c'est ma taille. Et j'ai remis ce haut là parce que il allait mieux avec ça. Mais attendez. C'est normal ou pas? Wesh, hey, le truc il est super long. En fait, il cache tout mon pied en fait. Genre, je suis un peu comme ça, je sais pas. Il est vraiment super. Mais il est super beau. J'aime vraiment beaucoup. Et comme j'ai dit, j'ai mis le haut blanc parce que j'avais un haut rose et ça le faisait pas. Là, c'est ce qui faisait le mieux accordé, tu vois. Pareil, ça fait bien ressortir les seuls faits. Oh, je vais caler des vrais pics avec ça. La vérité, je vais caler des vrais pics avec. Genre, vraiment des vrais. De ouf, genre, de ouf. Genre, je peux vraiment caler des vrais pics, mais juste en bas, je sais pas comment je vais faire, hein. Avec des chaussures, ça peut faire comment? Parce que, ouais, bah, du coup, avec des paires, ça amortit la chute, on va dire.
Genre ça fait de ouf. C'est pas de la caille, c'est pas de la camelote. Ce n'est pas de la camelote. La vérité là, ils vous ont prouvé là quand même. La vérité, c'était vraiment archi pas content de vos commentaires, je crois. Hein. Parce que là, eh, le niveau. Bref. Ensuite là, je vois. Enfin là, c'est la robe chemise. Parce que je vois ça. Genre, je vois le col. Donc, c'est une robe chemise. Donc, comme ça, ça me dit trop rien. Genre, on dirait pas que c'est un truc de ouf. Je sais pas pourquoi je l'ai pris d'ailleurs. Peut-être que la mannequin a été jolie dessus, je sais pas. Simple, je vais l'essayer et je vous redis. Alors, salut. Je vous mens pas, quand j'ai mis au début, j'ai l'impression que c'était une blouse de d'infirmière là. Bah, du coup, le style, enfin, de base, c'était comme ça. Et j'aime pas trop. Enfin, c'est joli, mais ça me va pas. J'aime pas comment ça me va. En plus, c'est trop court. Si je fais ça, c'est fini pour moi. Soit elle est jolie, tu vois, je sais que ça pourrait bien le faire. Moi là, ça me va pas. On dirait une blouse de, je sais pas, on dirait une chemise déjà à l'ancienne. Vous voyez les dans le théâtre. À l'ancienne, tu mettais ça, des chemises comme ça. Avec les jeans avec les ceintures là. La vérité, c'est ça. Ensuite, on enchaîne avec bah, le dernier article. Alors, ok, donc c'est une robe à capuche. La mannequin, je crois, celle-là, elle est trop bien, je crois. Parce que là, je suis pas pris ça pour rien quand même. La matière, elle est, je sais pas comment dire. Mais c'est pas une matière qu'on met tout le temps. Donc du coup, bah, je vais essayer et je reviens. Eh, on dirait Britney Spears. Le level. Le level. Le level. Le level. Le level. Level. Attendez. Attendez, 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 j'aime beaucoup trop. J'aime very much trop. Genre, j'aime vraiment trop, trop, trop. Je crois que là, vraiment, ils ont vraiment fait un truc de ouf. C'est vraiment le site, je vous mens pas. En plus, je vous jure que c'est pas cher. Je vous jure que c'est pas cher. Oh, tout ce que vous allez voir, c'est en dessous de 10 euros. C'est entre moins de 15. Oh, la vérité, moins de 15. La vérité, c'est pas... La vérité, c'est un truc de ouf. C'est un truc de gueudin. Gaieté. J'aime trop. J'aime vraiment trop là les détails. Tac, c'est un petit peu fondu et ça tombe sur la main. La qualité, j'aime trop. La matière, comme j'ai dit, je saurais pas vous dire la matière. Mais ce détail de la capuche. Oh là 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 là. Je suis amoureuse. Je suis vraiment trop là. Ah, la vérité, les filles qui sont formées de ouf. Mais là, vous avez gagné là. Les meufs chargées de ouf là. Vous avez gagné, allez commander là-bas. Après moi je suis pas forcément formée. Parce que là je me sens, moi je me trouve droite. Je me trouve droite, mais d'ailleurs il faut vraiment que je commence les gaines et tout. Si vous avez des bonnes gaines à me conseiller ou quoi, envoyez-les moi, mais des vraies gaines. En vérité, je suis prête à vraiment truc dans une vraie gaine. Parce que j'ai l'impression que mon corps il irait bien en comme ça, tu vois. Il est quand même bien, tu vois, il y a déjà ça en début. Tu vois, il faut terminer là. Et bref, et j'ai eu zéro mécontentement, à part un, le bas bleu, mais encore, il en... même ça, il est beau, juste il était trop petit, donc on s'en prend comme un pyjama. Et j'étais contente de tout, genre là, la petite série que j'ai eu là, j'ai été déçue de aucun truc, vraiment rien, genre, à part comme j'ai dit le bas, mais rien ne m'a déçue. Que dans le premier haul de cette marque là, vous avez capté, il y avait des trucs, t'as capté, mais là, je vais caler des mamas à Pix, oh là là. Je pense que vous avez un petit peu marre de voir mon corps. Donc, du coup, bah, comme j'ai dit, n'hésitez vraiment pas à aller commander sur le site. C'est un truc de ouf. C'est archi pas cher. Quoi demander de plus? Archi pas cher. Tout ce que j'ai reçu, c'était à l'identique de ce qu'il y avait sur le site. Rien à redire. Never change. Ivana, never change. La vérité, j'aime vraiment trop. Bref, en tout cas, si vous voulez encore des hauls ou quoi que ce soit, vous aimez bien ce petit format. Parce que je suis pas trop haul. Bon, là, c'est le troisième haul que je fais. Donc, vous savez très bien que moi, c'est Madame Storytime et tout. Si vraiment vous voulez un peu que je sorte de ma zone, faites-le moi savoir. Si ça vous a plu, dites-le moi. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, d'aller commenter sur le site. Et bah, après ça, on se retrouve à la prochaine dans ou pour une nouvelle vidéo. Bisous.